Chers collectionneurs et amateurs de beaux ouvrages, aujourd'hui, nous voulons vous présenter un des plus beaux livres de fêtes français. Il s'agit des fêtes de Strasbourg, fêtant la convalescence du roi Louis XV, le passage du roi Louis XV à Strasbourg. Celui-ci est relié dans une magnifique reliure en maroquin rouge, réalisée par Antoine-Michel Padlou, le relieur du roi. Cet ouvrage est entièrement gravé. Voici sa page de titre. Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour la convalescence du roi, à l'arrivée et pendant le séjour de Sa Majesté en cette ville. Vous trouverez en bas du feuillet de titre l'étiquette du relieur Antoine-Michel Padlou, qui vient ici signer sa reliure. Voici le magnifique portrait du roi Louis XV, se présentant à Strasbourg, sur fond de cathédrale. Cette gravure est réalisée d'après une peinture du peintre Parossel. L'ouvrage est composé du portrait équestre de Louis XV et de 11 gravures doubles, représentant l'arrivée du roi en cette ville et les différentes festivités. Les 11 doubles planches ont été dessinés par Jean-Martin Weiss et gravés par Jean-Philippe Lebas. Vous voyez la taille de l'ouvrage, c'est très impressionnant. Vous avez des détails de la fête, des détails architecturaux, le faste du XVIIIe siècle. Strasbourg de nuit. Magnifique planche de la cathédrale en élévation. La cathédrale illuminée. Magnifique. Les planches sont légendées. De nombreuses explications en pied. Puis l'ouvrage se termine par 20 feuillets de textes qui sont également gravés. Cet ouvrage constitue un des plus beaux livres de fêtes français.